À cette conférence de presse axée sur la concertation politique de Madingou, le président par intérim de la majorité présidentielle s'est dit satisfait des décisions issues de cette grande messe politique. Nous rappelons, pour la gouverne des uns et la sagesse des autres, que la classe politique n'était pas allée à Madingou ni pour mettre en cause les institutions de la République qui fonctionnent normalement, ni pour décider à la place du peuple, mais pour parfaire l'organisation de l'élection présidentielle et des élections à venir dans le délai constitutionnel. Répondant aux préoccupations des journalistes, Pierre Moussa a été l'argumentaire du consensus qui s'est dégagé à Madingou. Se sont dégagés. Il y a la tendance favorable au recensement administratif spécial et l'autre tendance qui était plutôt favorable à la révision spéciale des listes électorales. Nous sommes tous tombés d'accord pour transmettre au gouvernement qui en décidera l'existence de ces deux tendances. Le président par intérim de la majorité présidentielle, Pierre Moussa, a fait savoir qu'un projet de loi sur le plafonnement des dépenses de la campagne électorale était déjà sur la table du gouvernement. Après son adoption, il sera transmis au Parlement.